Et je nous là, on a assisté ensemble avec l'enterrement général iranien que Américains ont tiré dans le raid qui a été mené. Côté que ont tiré général iranien ensemble avec un autre grand général dans l'Amérique, ensemble avec plusieurs autres qui étaient ensemble avec eux. Et ça, c'est l'enterrement dans le raid là. Pour nous, toute nouvelle et actualité qui va passer après l'événement, ça, on écoute. On analyse Fernando estimé qui parle nous plus de détails sur qui Jean bagaille pas lié qui Jean guerre pas lié en Iran ensemble avec États-Unis en suivant. D'abord, dans l'actualité internationale, là, nous t'ai annoncé l'intitulé et l'actualité internationale dominée par un nouveau conflit ça qui mettait les États-Unis bab pour bab à Iran après frappe américaine qui coûtait la vie à un général iranien Qassem Soleil Mani, dans même frappe ça, il y a un général irakien qui perdu la ville tout. Parlement irakien, il prend une résolution pour demander retirer soldats américains qui déployaient sous territoire la Kaili. Et mon sujet comme ça, nous étonnés, ouais, et comment ils ont réagi sous les sous réseaux sociaux, donc en pile commentaires sous groupe WhatsApp, yo. Donc avec nous, professeur Fernando Estimé pour nous parler de conflit ça côté Gemoun qui prévoit déjà une troisième guerre mondiale. Est-ce que là encore c'est possible? Fernando Estimé avec nous pour aborder et conflit ça. Professeur Estimé, bonjour. Bonjour guerrier, bonjour à tout auditeur Radio Télévision Caraïbe, tout auditeur Grand Boulevard. Alors, vous posez une question directe et bien aimé, je vous fais introduction. Question, c'est inquiétude. On parle sur les réseaux sociaux. Alors, inquiétude là, pas sur les réseaux sociaux seulement, inquiétude là, pour pays. Pas bien, pas paniquer avec situation, ça qui arrive là. Évidemment, son situation provoquée. Alors, il y a des gens qui parlent d'élimination, il y a des gens qui parlent d'assassinat, et chaque monde est capable de prendre un terme yovlé, un terme technique yovlé. Eh bien, général Qassem Soleimani, général Qassem Soleimani, qui est chef force Al-Quds, qui est unité d'élite, et gardien de la révolution iranienne, et bien, il est mort en Irak après qu'un drone américain crase des machines militaires courues pour le soutien dans les portes de Bagdad après un drone américain, donc sous ordre direct président américain Donald Trump. Alors, il y a des gens qui ont posé des questions, mais les gens qui font là-dedans, pas vraiment comme ça, qui ont pensé que c'est précis. Regardez, c'est ça pour me faire préciser, là, pour me consacrer avec l'Iran. Iran, c'est la Perse. Iran, c'est pays, il y en a deux ou trois pays qui pire signe sur la terre. C'est-à-dire, frontière actuelle iranienne, pays a constitué pratiquement depuis presque 2500 ans. Les m'a parlé de Iran, moun qui chrétien, ou qui lit l'Ivre Daniel, qui lit l'Ivre Daniel, y a connu les Daniel qui dans force au lion, roi Darius, et bien c'est yon un roi qui est fondé pays, sa Perse et police qui est fondé pays, la Perse. Avec un nègre qui était là en venant, qui s'était bon pays tout, donc Darius le Grand, donc Darius le Grand, avec Cyrus le Grand, donc c'est eux qui ont fondé gros empire, ça, il aime dire gros empire, son gros tonton empire qui était dominé, sorti en Europe de l'Est, c'est-à-dire toute zone macédoine, la Grèce, était sous domination, rivé en Inde, rivé Tibet, Tibet, Zodiac en Chine, et rivé juste en Égypte. En bas, c'est-à-dire passer près toute zone Arabie Saoudite, toute zone Israël, Palestine, la Syrie, et Irak, donc c'est ton gros tonton empire, son gros tonton bagage, et je ne veux dire qu'il regagne 1,5 million de kilomètres carrés. Alors ça passe, pour qu'il s'assoule les Mali mourir, Donald Trump dit, c'est parce que monsieur a préparé attaque contre pays les États-Unis. Alors ça, c'est version officielle du gouvernement américain. Bye. Alors pendant longtemps, Soleimani était qu'à toujours mourir, mais président américain était là avant Trump, que ce soit Barack Obama, que ce soit George Walker Bush, t'es invité tout les monsieur pour raison très simple, parce que on connaît bagaille ça qui a provoqué un gros tonton honte de choc à l'échelle mondiale, parce que dans la région côté Iran, il y a Iran capable de comporter s'il voulait tant qu'un véritable machin désagrément, et c'est dans la région ça causé pétrole yo sorti. Iran contrôlé ça aurait le détroit d'Hormuz. Détroit d'Hormuz, c'est route côté pour pétrole qui a sorti en Arabie Saoudite, Corée, Bahreïn, Émirats Arabes Unis passé. Et dans ce bout côté là, mais ça aurait le détroit d'Hormuz là, c'est l'armée iranienne qui contrôle. C'est-à-dire à moins d'escombrer pétrole pas qu'à passer. Et pétrole là, c'est lui-même qui est le principal moteur économie mondiale là.
Iran tout gagne des alliés qui sont pas qui marchent en désagrément dans toute région, puisque Iran sont puissants chiites et pratiquement tous chiites sous la terre presque fait allégeance avec elle, que ce soit au Liban côté le gagne Hezbollah qui calime dix fait, que ce soit dans des Américains ou bien dans des Israël, et de fait qu'ils ont attaqué l'ambassade américaine déjà au Liban, ils ont gagné rebelles au Yémen qui gagne quelques mois, qui mettait Arabie Saoudite à genoux parce qu'ils ont écrasé l'installation pétrolière que l'Arabie Saoudite gagne, et 50% de production Arabie Saoudite qui font bon titre pas qu'à faire. Et c'est pas sans raison, je ne fais pas la voilà. Aramco perdit 10% de valeur dans le marché de la bourse à Riyad, puisque en pile monde qui inquiétude, ou pas qu'on est comment il va réagir, et il va promettre pour réagir avec force, avec vigueur, il va promettre pour attaquer des sites américains pour le faire américain payer fréquence. Ça, selon sa dirigeant iranien, qui fait touiller en général iranien. Évidemment, il va pas qu'on attaquer, il va qu'on faire exercice en rien. Mais inquiétude là, et inquiétude, comment c'est honte de choc? Honte de choc là, c'est qui ça? Parlement irakien vient d'en voter pour demander régime qui en place la fongeant pour demander États-Unis quitter pays Irak. C'est comme ça tout Iran est annoncé que lui-même n'est pas causé accord sur le nucléaire là encore, lui-même va le constituer installation pour continuer produit et uranium enrichi, produit plutonium. Et Iran dit lui-même après l'enterrement américain à condoulé la marché ramasser cadavre, bagaille ça qui levait plume sous dos Donald Trump qui menaçait pays Iran, lui dit si on graine cheveux dans tête en américain tombé, l'a crasé 52 côtés pour vivre ici en Iran. Il a 52 côtés, ça y est, là-dedans, c'est des sites archéologiques. M'a parlé des sites qu'il a depuis presque 2000 ans. Qui donc est Donald Trump campé sous Brenzengni, il a envoyé 3500 soldats américains à renforcer la présence américaine dans la zone. Mais le problème technique américain gagné, laissez-vous défendre, il y a un petit genre compliqué, puisque les Américains vont comprendre les navires américains, la marine américaine, il y a plus que 300 bateaux, il y a au moins 100 radars sous la mer, donc qui c'est des sites potentiels. L'armée américaine gagne plus que 800 bases militaires éparpillées à travers le monde, c'est-à-dire depuis dans la zone Brésil, passer descendre en Afrique, toute zone Djibouti, toute zone Kenya, arriver dans le Moyen-Orient et même dans le Caraïbe là. Donc protéger 800 bases militaires, c'est pratiquement impossible. Les États-Unis ont ambassade pratiquement dans tout pays sous la terre. Donc c'est compliqué puisque Iran promet la réagir. Et les États-Unis disent les mêmes depuis Iran réagit. La réagit lui-même de manière disproportionnée. Et moi, ça, c'est pas Fernando Estimé qui dit, c'est président américain Donald Trump qui dit le même. Il écrit terme là même. Depuis, il réagit sur lui, la réagit de manière disproportionnée. Professeur Estimé. Il n'y a pas qu'à perdre la face. Donc, nous dit, c'est un nouveau conflit. C'est bien dit, c'est pas plutôt un conflit qui était déjà là, mais qui vient aggraver avec frappe américaine qui coûtait la vie générale iranien. C'est un conflit qui était déjà là, puisque Iran a une rivalité dans la zone. Iran a cherché tant de sphères d'influence. Et sous on est le président Bachar al-Assad sous pouvoir toujours, c'est probablement grâce à l'Iran. Donc Iran a cherché à agrandir l'influence. Et c'est général Salih même qui était responsable opération ça. Alors ça passe en Iran, en plus le monde n'a pas compris. Là, on général, on a dit mon général, car il y a 50 général. Alors en Iran, ce type de pouvoir tel que type on a probablement pas qu'à expliquer qui réalité pouvoir monsieur gagne. Et bien réalité pouvoir général Qassem Soleimani, c'est que monsieur gagne plus pouvoir que président de la République là. C'est-à-dire en Iran, président de la République là, c'est pas monsieur qui chef d'État. Chef d'État en Iran, c'est guide suprême, là, tout la Ali Khamenei, là, tout la Ali Khamenei, c'est monsieur qui guide suprême, c'est monsieur qui chef d'État dans la République islamique. Et Qassem Soleimani, monsieur te prend zot li seulement de guide suprême, là, et budget, monsieur, c'est ton budget autonome, et monsieur, pratiquement, c'était ministre affaires étrangères pays Iran dans la zone, là. C'est-à-dire ministre affaires étrangères Javad Zarif, monsieur, pas responsable dossier qui a rapport à Moyen-Orient, c'est-à-dire zone Syrie, zone Irak, là. C'est le général, ça c'est lui-même qui était responsable de toute cause ça. C'est-à-dire que c'est un général de l'armée, mais c'est pratiquement numéro 2 régime, non, puisque monsieur était responsable au gros volet dans la politique expansionniste régime dans la zone, non, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, que ce soit au Yémen. Et d'ailleurs, les monsieur Mouria,
c'est en Syrie, monsieur t'est sorti et l'air atterri, il vit l'atterri Bagdad, l'époque Bagdad, pour te rencontrer avec des miliciens chiites qui sous ordre qui a travaillé pour lui en Irak. Donc monsieur c'était pratiquement un proconsul l'idée dans la zone. Donc c'est l'audit général là, c'est pas un général comme ça, monsieur t'est. Monsieur c'est pratiquement un numéro 2 dans la région. Et d'ailleurs, entre moi, monsieur Mathieu, on capable pour vous ça. C'est première fois en Irak, tout le monde s'est sorti dans un enterrement au monde, parce que monsieur, c'est un personnage qui est extrêmement controversé dans la zone, non, mais qui est extrêmement populaire en Irak, parce que son est qui était sorti dans la misère, qui sorti dans une famille paysan, et monsieur a jamais fait signe au standatoire de richesse, et monsieur participé dans toute la guerre pays, notamment monsieur fait amis dans la guerre Iran-Irak 80-88, et c'est comme ça que monsieur Pral montre en grâce. Donc son est qui est 40 ans, pratiquement depuis la défense intérêt pays, hein, évidemment, intérêt pays Iran qui est capable contre intérêt pays États-Unis. Donc États-Unis, oui, monsieur est ou l'antichrist, mais en Iran, monsieur est vénéré pratiquement comme un demi-dieu. Professeur estimé, vous rappelez-nous, attaque ça, il n'est pas fait sous territoire iranien, mais c'est plutôt en Irak et nous, ouais, on frappe ça, gagné un général, représenté comme un général d'un groupe paramilitaire et en Irak qui tombait et en réaction, parlement et irakien, il prend une résolution pour demander pour troupes américaines qui sont sous place, il a quitté le territoire. Est-ce que la troupe américaine qui est dans la zone n'a pas trouvé cible et éventuelle action terroriste en représailles et à une vengeance de sac passé à. Est-ce que c'est pour ça tout autorité américaine a placé là plusieurs villes et aux États-Unis, comme Washington, New York et Los Angeles, en état d'alerte? Eh bien, vous voyez là bien clair. Alors, ça qui passe, c'est moi qui mourir, c'est Abu Mayyid al-Mundis, Abu Mayyid al-Mundandis, qui est leader groupe Yorimé, Kataïd Hezbollah, qui est brigade ça que Soleimani a fait en Irak pour te combattre contre l'État islamique en Irak. Et bien, monsieur mourit tout. Non, frappe ça. Alors, monsieur, c'est ton paramilitaire. Paramilitaire, c'est eux-mêmes qui étaient bas l'État islamique. Donc, l'État Irak était entré dans l'armée pays. Et bien, comme frappe là, c'est pas bien. Non, Irak sont États souverains. États-Unis sont pays souverains. Imaginez un instant, un officiel haïtien perdit la ville Saint-Domingue et on apprend que c'est Jamaïque qui touille. C'est-à-dire, Irak est même obligé de réagir. Et c'est pas sans raison. Premier ministre irakien qualifié l'opération qui fait là d'un acte d'agression contre l'Irak. Et de fait, parlement irakien, qui est la majorité chiite, ils ont voté hier pour demander premier ministre là, qui est son premier ministre démissionnaire, pour le fond aux gens, pour demander américains qui quittent pays l'Irak. Les réactions ont commencé, ou pas tant entièrement fin fait en Irak, c'est commencé à gagner des roquettes qui lançaient sous une base aérienne côté soldats américains présents, et c'est gagné tout roquettes qui lançaient, roquettes Katyusha qui lançaient tout sous zone fait la zone fait la côté ambassade américaine. M'a rappelé, c'est attaque que groupe ça a été fait sous ambassade américaine dans sa 3-4 jours avant la mort générale là. C'est Donald Trump qui a été pris sur ça tout pour te réagir contre le général. Alors, attaque américain, Rani Kote et Sarah Pixico d'ailleurs, elle est difficile pour vous dire tout de suite. Parce que il y a eu ça, il y a eu wide range options. C'est-à-dire qu'il y a eu grand pile bagage, il y a eu grand pile levier dans le monde. Il est capable de faire des attaques cybernétiques. Attaque cybernétique là, c'est-à-dire qu'il fait des attaques informatiques sous des infrastructures que vous avez jugées et ciblées. Il est capable tout et vous connaissez déjà organiser des attentats. D'ailleurs, général Sakimouria qui a été coupable à l'ordre américain de tentative en attentat qui de fait dans Washington DC dans un restaurant côté de tué ambassadeur Jaber qui est ambassadeur Arabie Saoudite dans le pays les États-Unis. Alors nèg ça habitué moun avec opération ça ou fait opération déjà en Argentine, donc yo américain obligé DHS qui c'est département Homeland Security aux États-Unis mandé ville New York, ville Los Angeles pour le mettre en état d'alerte, parce que yo prêt pour Irak, iranien yo pas organisé des attentats et pas lié aux États-Unis. Iranien yo c'est yon nan moun qui a plus moun aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a plus descendants iraniens. Là c'est troisième ou quatrième pays qui a plus descendants aux États-Unis. Professeur estimé, nous pral fini, nous américains yo paniqué, mais et analyste yo évoqué possibilité en troisième guerre mondiale dans cadre conflit ça. Est-ce que c'est vraiment possible dans contexte ça pour ça t'as des pour conflit ça tension ça t'as débouché sur une troisième guerre mondiale? Alors ma bonne réponse diplomatique qui prudente et puis m'a expliqué réponse diplomatique qui prudente là
Et la guerre, tout le monde connaît qui laisse ça commencer, t'as des gens qui connaît qui laisse ça finir, qui chance à finir. Donc ça c'est réponse pour l'IA. Mais l'Iran, pas de moyens pour le bataille frontalement avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est puissance militaire inégalée qui vient sous la terre. L'Iran n'a pas l'armée pour le bataille. Évidemment, le bon l'armée qui gagne mourir presque 700 000 soldats. Mais le pays est amassé pour le bataille directement avec les États-Unis. Soit garder quatre territoriales là, ou après les États-Unis, il y a au moins 80 bases militaires qui entourent le pays Iran, c'est-à-dire dans le cadre où tu as fini avec l'Iran. Mais c'est pouvoir de nuisance, Iran guerre. C'est-à-dire qu'il y a des rebelles outils au Yémen, il y a des Hezbollah au Liban, il y a des forces paramilitaires en Irak, il y a des agents qui sont capables de faire des attentats un peu partout à travers le monde. C'est-à-dire si vous voulez mettre les zones dans le chaud, vous êtes capable de mettre les zones dans le chaud. Et en plus, pour faire ces pétrole là, pays pétrolier, ça fait tout, vous êtes silencieux, vous êtes cuit, vous ne pouvez pas aller du tout pays arabe, parce que vous rendez compte à moins d'accassance et vous êtes capable de payer pour Cassia, parce que pays Iran, il y a un missile balistique qui est capable de toucher n'importe pays dans la zone arabe là, et d'ailleurs, capacité balistique, il permet de toucher même des pays qui sont en Europe. C'est-à-dire, si l'Iran va aller, il y a un fil pour un pilnec, donc c'est ça qui fait qu'un pilnec dans la zone qui est obligé, moi, je crois qu'on a déposé, posé, posé, reposé, en chercher des escalades là, parce que la situation est vraiment compliquée. Iran, pas qu'à faire la guerre directement avec les États-Unis pour gagner une guerre comme ça, une guerre conventionnelle contre les États-Unis, mais son guerre asymétrique que lui-même lui habitué à faire, et c'est ça qu'on fait. Et dans la guerre asymétrique là, il est difficile pour lutter. Dans la guerre asymétrique, nous sommes armés de métier parce qu'on ne connaît pas qui les mouna pété bombe et c'est pas sans raison. Général Qassem Soleimani Mouria, Pentagone qui est ministère de défense États-Unis, reprochait monsieur le mort presque 600 soldats américains dans la guerre qui était faite en Irak parce que c'est monsieur qui était développé bombes artisanales, des bombes artisanales extrêmement puissantes qui sont capables de craser Humvee qui est machine militaire américaine, machine militaire, même les gens qui ont blindage. Pour artisanal, monsieur Tebaï, groupe paramilitaire, vous êtes capable de graver des machines à eux. Et Pentagone accusé Qassem Soleimani qui est le de presque 600 morts américains dans la guerre en Irak, dans l'opération qui a faite en Irak, lorsque le groupe et chiite Saïo tape roumé contre présence militaire américaine. Et groupe chiite Saïo tout remobilisé, notamment l'armée du Mehdi, du chef chiite Moqtadab Sadr, qui déclarait lui-même il a voulu prendre les armes pour roumé contre l'américain en Irak. Donc, Américains, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Mais Donald Trump, tout dit, et puis Américains mourir, lui-même, il a correspondu avec l'Iran, il a correspondu pas à quelqu'un qui a posé la question, parce qu'il frappe militaire, il a annoncé tout, soit viser des sites, qui sont des sites culturels, c'est un bagage qui est contraire à droit international là, c'est un bagage qui aurait les crimes de guerre là-bas. Mais Donald Trump n'a pas entré dans tout thème technique ça, mais il est bien Américain qui mourir, qui même l'a servi à l'Iran, il a même crasé des sites culturel, et m'a rappelé seul monde qui décrase ces culturels, c'est l'État islamique lui-même qui décrase les mausolées, prophète Jonas, pour qu'on est dans la Bible là, qui c'est un grand leader dans trois religions monothéistes qui est dans la zone. Non, m'a rappelé tout, c'est les talibans en Afghanistan qui décrase les statues Bouddha, et c'est des djihadistes qui décrase les mausolées à Tombouctou, Mali, qui est Donald Trump lui-même, malgré l'Amérique qui était condamné tout ça, lui dit c'est des crimes de guerre. Oui. Donc Donald Trump écrit sous Twitter lui-même, la promesse des crimes de guerre, et l'écrit en lettres majuscules, c'est pas en lettres minuscules, donc pas aucun moyen pour rappeler. Et qui comportement l'ONU hein, dans la situation ça, et c'est quand même une situation que tu es capable d'éviter, c'est-à-dire pour ne pas arriver dans l'aggravation et situation Jean il y a profilé là. Est-ce que l'ONU est capable de faire un bagage que le café, et puisque l'ONU t'est créé? Mais structure internationale là, pas permettre l'ONU à agir. Parce que l'ONU, pour l'agir dans un dossier qui a rapport à menace à la paix, à la sécurité internationale, c'est un bagage qui aurait les conseils de sécurité.